Bon, écoutez, on est le 2 octobre hein, et là on va prendre le départ de l'Ultra Trail des Montagnes du Jura. Donc c'est la première édition, c'est une nouvelle course. Et en début d'année, ça devait être la course bonus après la PTL. Et finalement, ça devient l'objectif de l'année. Cette année très particulière où il y a beaucoup d'annulations, année particulière, vous voyez pourquoi. On est toujours masqué. On n'a pas grand chose à venger, mais on est toujours masqué. Le programme, c'est 180 km, 7800 mètres de D+. On devrait croiser la famille puisqu'on va arriver du côté de Métabier. Là, on part de Bellegarde. Et la spécificité de cette première édition, c'est qu'ils nous annoncent de la pluie tout le long. Donc on va avoir une, deux heures sans pluie apparemment. Et après, on devrait avoir la pluie tout le long. Ils annoncent très froid et énormément de pluie sur la portion entre les Rousses et Jaunes. Voilà. Et puis, écoutez, le départ c'est là-bas. Donc l'idée c'est de terminer l'histoire en moins de 35. Et bon, on va déjà essayer de terminer, parce que terminer un ultra cette année, ça va relever de l'exploit. Alors tous ensemble, public, dans les 30 dernières secondes, les quelques secondes qui nous restent, on va faire un décompte tous ensemble, attention, on y va, dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti. C'est parti. L'Ultra Trail des Montagnes du Jura, la première édition, c'est là sous nos yeux. Bonne course à toutes et tous, bien sûr. C'est parti, vous allez vous régaler, vous aurez tout vu. Début de la course. J'ai été obligé de laisser mes bâtons au départ parce qu'ils étaient coincés. Je pense qu'ils sont morts. Puis j'ai aussi eu un problème avec ma caméra. Bref, pour l'instant, c'est un départ de mer. Bon, là, on attaque en sous-bois. On attaque par une montée de 1000 mètres de D+. Ensuite, on a une descente, puis on se retape 1000 mètres de D+. En fait, c'est le profil du départ de la course. Et ensuite, on sera en plateau, quasiment jusqu'aux Rousses, avec pas mal de coups de cul. Pour le coup, le fait de ne pas avoir de bâton, je vais essayer de courir différemment maintenant. On va voir. Pénible. Bon, ça y est, on y est. Hein. Ça monte. Hein. Ouais, bref, on vient se voir. Donc là, on est en sous-bois. C'est dans toutes ces portions-là que je vais regretter les bâtons. On peut voir qu'il y a un peu de vent. Ouais, sur le plateau, je pense qu'il y en aura beaucoup. Météo France a donné un avis de tempête aujourd'hui. Donc quand on sera sur les crêtes et les plateaux, on risque de se faire souffler pas mal. Alors le profil monte un truc assez raide pour démarrer. Pour l'instant, c'est assez roulant. On monte, mais c'est roulant. De toute façon, j'ai pas repéré grand chose. Puis là, vu que je suis un peu perturbé là avec mon départ, je suis pas dedans. Hein. On va essayer d'en profiter parce que pour l'instant il pleut pas, il fait même chaud. Et ça va durer 2-3 heures max. Donc je vais quand même essayer d'en profiter maintenant. J'ai plein de problèmes avec mon matos, mais c'est ma faute en même temps, j'ai rien vérifié avant d'attaquer la course. Je suis tellement en mode balade là. C'est juste essayer de prendre du plaisir
dans une année qui est extrêmement compliquée. Et avoir une parenthèse dans cette période où professionnellement, pas simple à gérer et puis une grosse charge de travail. Là on est en sous-bois comme vous voyez. On vient de se taper un petit raidillon, puis on a un faux plat descendant pour une descente. C'est agréable pour l'instant, on est en pleine nature, ça me manquait, et puis il fait bon là. J'ai même eu chaud au démarrage, pour le coup j'ai pas mal transpiré, j'ai presque un petit frisson là. Alors, pourquoi le choix cette course? Pour tout vous dire, j'ai hésité jusqu'au dernier moment entre les 100 miles du sud de France, entre Font-Romeu et Argelès, je crois, un truc comme ça. Et cette course, en fait, on arrive à m'établir. Et comme certains le savent peut-être, ceux qui me suivent, j'ai de la famille dans le coin de Pontarlier, notamment à m'établir. Beaucoup de familles du côté de ma maman. Voilà. Les bidoules et ouais, en fait c'est un bon alibi pour aller les voir, puis vu qu'il fait une météo bien dégueu, c'est un bon alibi pour venir manger de la fondue et boire des canons à l'arrivée quoi. Et ce quel que soit le temps que je mette et ce que j'aille au bout ou pas, mais bon aujourd'hui tant que je suis allé à Montreux, j'y allais, bon, sachant que je terminerai pas, autant là j'y vais avec envie de terminer quoi. On est dans un bon coup de pluie là. Effectivement là sur la partie d'avant j'étais content d'être avec un groupe parce que on voit rien sur les balises. Pas que c'est mal balisé, au contraire, ils ont fait le taf que tu regardes. On n'est pas loin du sommet de. Ouais, on est au sommet. Sommet de la première montée. La descente, on a raté une balise. Il faudra mettre la frontale pour avoir les petits. Je suis avec un petit groupe et on a raté une balise un peu plus haut. On n'a pas perdu beaucoup de temps, mais il faudra être vigilant. On voit vraiment pas grand chose. Là, je suis vraiment content de pas être seul. Bon, on est toujours dans la descente du premier col. En fait, on a fait un ravito, je pensais qu'on remontait, on continue de descendre. Bon, je n'y comprends rien. J'ai été obligé de lâcher le groupe avec lequel j'étais. Non pas que je vais pas bien, je vais même plutôt bien. Mais j'ai le bide en vrac. Je pense que c'est lié au froid. Puis j'ai accumulé de la fatigue avant la course. Donc, bref, j'ai été obligé de m'arrêter. Bah, comme d'hab, quoi. J'ai perdu 5 minutes, il y a une dizaine de coureurs qui sont passés. Voilà, c'est pas bien grave. Mais c'est con parce que j'étais avec un bon groupe et pour le coup, voilà. Bah, je me retrouve un peu derrière. Enfin, bon, c'est comme ça. Allez,
L'idée c'est de pas s'exciter. Ça fait plus de 2h30 qu'on est en course. Et puis voilà. Et je pense que d'un point de vue du vide, la course va être longue. Parce que vu les messages que moi mon estomac, c'est pas bon. On a passé le deuxième ravitaillement du 21e. On attaque la deuxième montée. Je suis pas très bien. J'ai vraiment mon estomac qui me laisse pas tranquille. Donc pour le coup, c'est pas agréable. Donc j'arrive pas à faire exactement ce que je veux. Bon, ça y est, là j'ai sorti le vortex. Je commence à pleuvoir un peu plus fort. Il fait pas très froid, mais bon, tant pis, je préfère le sortir maintenant parce que sinon je vais être complètement trempé après. J'espère que j'aurai pas trop froid là-haut. Mais... je viens de me faire déposer par deux mecs dans la montée. J'ai pas de force. Joli là. Bon là on vient de se faire toute une partie droite dans la pente là. J'ai souffert. Là, cette montée est difficile pour moi. Enfin bon. Et on s'accroche, ça va tourner un jour. Tôt ou tard dans cette course. Allez. On est en sous-bois comme vous voyez. Moi c'est le deuxième col. Là on est dans la descente. C'est un calvaire. J'ai mal au bide. J'arrête pas de m'arrêter. J'ai les jambes qui flageolent. J'ai une plombe pour monter. J'arrête pas de me faire dépasser. J'arrive pas à descendre non plus. Là, je vous explique. Je me demande si je vais pas arrêter au prochain. On aura fait 30 bandes, c'est la loose, mais je suis vraiment pas bien. J'arrive au prochain ravitaillement. J'espère qu'il fait chaud. C'est à l'intérieur et puis on verra. On verra déjà ça. De rester avec quoi. De boire un nid jusqu'au prochain ravitaillement. Le truc c'est que je peux même pas descendre comme je veux. Quoi. Vu que j'arrive pas à m'annuanter, je commence à attraper des crampes aux cuisses. Voilà, quel horreur. C'est dommage, hein. Le parcours est joli en plus. C'est dommage. Hein. Là, j'ai même pas fait 30 bornes. Il en reste 150, peut-être à 140. Je vois bien comment je vais faire. Hein. Bon, on a passé le troisième ravitaillement, qui est celui du 31e. J'ai un autre grand choix en plus. Là, on a un peu de plat, donc je me refais un peu. Je vais continuer à me faire doubler un peu, mais je stabilise. Je me sens un tout petit peu mieux. J'ai réussi à manger deux bouts de fromage au ravitaillement. J'ai mis le point de chaud pour essayer de me réchauffer, parce que là on est trempé jusqu'au dos. On peut se dire qu'il va falloir faire ça pendant 30 heures là. Parce que là l'air de rien, ça fait quoi, 4h30, 5 heures de course max. Enfin 35 heures. Là je pense que je suis pas du tout sur des bases de 35 heures quand même. Mais bon. En tout cas c'est dommage hein, ce temps, parce que c'est joli par là je trouve. J'ai pas eu le courage de filmer en haut du col. Je suis tombé dans les pommes sinon. Putain, moi j'étais pas bien. C'est bon.
bon. Là, on est en route vers le 50e. J'avance toujours aussi lentement. Mais bon, j'arrive à tenir un rythme régulier. Je trouve que les gens vont vite. Là. Vu les conditions météo, à mon avis, il va y avoir beaucoup de casse. Hein. Donc moi, je m'excite pas, de toute façon, je peux pas. J'ai toujours le bide en vrac. En fait, l'idée, c'est de tirer jusqu'à la base de vie. Serrer quoi? Serrer les dents. Serrer les dents jusqu'à la base de vie. Là, je sais pas, on doit être au 38e, 39e, un truc comme ça. Et la base de vie est au 70e, je crois, en route. Voilà. De toute façon, c'est pas la grande forme. Mais on fait avec ce qu'on a. C'est aussi de ces moments-là qu'on apprend. Et là, j'apprends que c'était une bonne idée de prendre le poncho. C'est dommage parce qu'après on a une super visibilité. Le parcours est sympa. Il y a des bons moments de single. Bon là je vous avoue que mes capacités du jour ne me permettent pas de faire ce que je voudrais dessus. Mais c'est dommage parce que il y a trop à s'éclater. Après, je suis impressionné par la vitesse des gens sur ces singles. Tout ça. Ça casse quand même bien les pattes et ils y vont quoi. Alors est-ce que c'est moi qui suis très lent et ce que je sens, mais est-ce qu'ils y vont pas trop vite hein? C'est une vraie question que je me pose. Bon, on vient de me dire qu'on n'était pas très lent du ravitaillement. Je suis pas fâché d'y arriver. Parce que j'ai compris, si je dis pas de bêtises, je pense que c'est le dernier avant les routes, avant la base de vie. Cette partie m'aura fracassé parce qu'en fait on a beaucoup couru. Alors elle m'aura permis de me faire un peu la cerise, mais on a quand même beaucoup couru. En revanche, ma vraie préoccupation c'est que je grimpe vraiment pas bien aujourd'hui. L'absence des bâtons me pénalise vraiment. Bon, je dois être dans les profondeurs du classement. Comme ça, ça va être ce qu'on a aujourd'hui. Malgré tout ce bazar, j'arrive quand même à prendre un peu de plaisir. C'est quand même une bonne surprise. Et je le dis parce que, au cas où j'oublierai, l'organisation est exceptionnelle. Balisage topissime. Les ravitaillements pour l'instant très très bien. On est super bien encadré. Ils ont le sourire, il y a beaucoup de bénévoles. Et franchement, avoir autant de bénévoles, on est vendredi, donc jour de semaine, il fait un temps de gueux. Hein. C'est exceptionnel d'avoir autant de monde. Chapeau à l'organisation, je rappelle que c'est qu'une première édition. On a passé le ravitaillement. Là, ça y est, on a fait 50 bornes. La mauvaise nouvelle par contre c'est que en fait il y a un autre ravitaillement dans les Rousses. On m'a dit que j'étais à 20 bornes des Rousses. Et là ça commence à être compliqué parce que je suis détrempé et j'ai froid. Je vais mettre les affaires sèches. J'arrive à m'alimenter un peu plus. Bon, j'ai quand même mal au bide mais j'arrive à m'alimenter. En revanche j'arrive pas à boire de soupe. Donc j'arrive pas à me réchauffer. On est là-dedans maintenant. On est embarqué. On serre les dents. Bon bah j'ai un petit coup de mieux là. J'ai repris quelques personnes. Enfin c'est. On passe son temps à se doubler, à se redoubler. En fait pour l'instant, c'est surtout au ravitaillement que j'ai doublé du monde. Avant chaque fois de me faire redoubler derrière. Et là ça va. Depuis le dernier ravitaillement, je suis pas trop mal. Je suis pas bien, hein, mais je suis pas trop mal. Bon, je viens de passer au ravitaillement là. Prochain ravitaillement, c'est la base de l'Igaros. On va avoir une grosse descente.
peut-être un coup de cul et après ça va descendre. Il va y avoir, je sais pas moi, du liban, un truc comme ça. Je commence à coincer là. Le truc c'est que la pluie, au-delà de nous tremper, de nous croire, c'est quand même pas bon pour les articulations. Bon, je vous passe les pieds qui à mon avis doivent être comme des chou-fleurs. Je pense que ça va être quelque chose quand on va enlever les chaussures et les chaussettes à la base des billes. J'ai pris la décision de ne pas m'arrêter, c'était un ravitaillement léger. J'ai trop froid, il pleut trop. J'ai les faces qui sont pleines parce que je vois quasiment rien. Je trace et je passerai plus de temps à la base de vie. Bon, je suis reparti de la base de vie des Rousses. C'est propre tout sec. Et puis, j'ai réussi à m'alimenter. Enfin, j'avais tellement froid que j'ai mis plein de couches. Là, je crève de chaud. Là. Bon, j'ai pris des couches de rechange au cas où. Bon. C'est le petit matin, on va en direction de la deuxième base de vie, Jougne. On a fait le dernier ravitaillement, je quitte le dernier ravitaillement avant la deuxième base de vie. Je vous épargnais les images cette nuit, vous savez pas beaucoup d'intérêt. Il faisait une nuit, on voyait rien. Voilà, donc puis la nuit a été épique, donc je répète, en capacité de filmer quoi qu'il arrive. J'étais en hypothermie hein, une bonne partie de la nuit. J'aurais jamais passé la nuit sans Bertrand, qui est ici. En fait, qui très clairement m'a porté à bout de bras. Et à chaque ravitaillement, je lui ai dit écoute, j'arrête. Chaque ravitaillement, il m'a dit mais non. Donc, j'ai continué. Voilà, après, j'ai quand même eu quelques rebondissements pendant la nuit et donc quelques gros coups de bol. Au 85e. Donc j'avais besoin de dormir, l'organisation avec Super m'a amené en fait dans une petite cahute là, qui a été chauffée où j'ai pu me reposer un tout petit peu. Après qu'est-ce que j'ai eu quand j'ai quitté ce ravitaillement, ma frontale m'a lâché, je ne saurais pas dire combien de temps après, mais pas longtemps après. Je suis redescendu là au bord de la route, une voiture a vu que je redescendais, m'a attendu. Je me demandais quel était mon problème, il y a un mec qui venait d'abandonner, qui m'a filé sa frontale. Donc sans lui, j'aurais été obligé d'abandonner. En fait, ce que j'ai fait, c'est que, comme un abruti, j'ai remis la batterie de rechange dans mon sac de délestage rousse. Donc j'étais à poil à partir de minuit. Quoi. Voilà. Et puis ensuite... j'ai passé la nuit, je me suis même fait un espèce de bricolage avec la couverture de survie autour du corps, tellement j'avais froid. Et puis quand je suis arrivé à la Chaux-Neuve, là j'ai dit j'arrête. Puis là il y a eu deux coups de bol. Le premier c'est que j'ai appelé l'organisation pour qu'on vienne me chercher et qu'on me dépose à Jougne pour que j'aille récupérer en fait des vêtements secs parce que j'ai plus rien de sec. Et puis j'ai dit, pendant qu'on était en train d'appeler l'orga, j'ai dit, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait des vêtements secs à prêter, allez, je tente l'aventure. Il y a un mec qui a dit, attends, je vais voir ce que j'ai dans la voiture. Il m'a filé des vêtements secs. Donc j'ai une frontale qui n'est pas à moi, des vêtements qui ne sont pas à moi. Et puis le deuxième coup de bol à la Chaux-Neuve, c'est j'ai mon cousin Gérald qui voulait me faire la surprise de venir me voir. Et je suis parti avant qu'il arrive. S'il est arrivé sur mon 5 quarts d'heure plus tôt, j'étais en train d'abandonner, je l'aurais vu abandonner. Voilà, mais je voudrais remercier tous ceux qui m'ont aidé là parce que sans eux je passais pas. Et puis ça m'a fait super plaisir de voir mon cousin Gérald là, qui pour le coup est venu me voir à Mout. Voilà. Mais sinon cette nuit c'était l'hécatombe, il y a des tonnes et des tonnes d'abandon. Là je crois que je dois être dans le temps dans le top 40 alors que franchement j'avance pas. Mais en fait il y avait un seul objectif cette nuit, c'était survivre. Tous ceux qui ont passé la nuit sont dans un état assez hallucinant.
Et il y en a plein qui l'ont pas passé. Voilà, on a tout vu, la pluie, la neige fondue. Voilà, et là on est à Métabier, on remonte au... Enfin, pas tout à fait à Métabier, mais on remonte au sommet du Mont d'Or. Il y a de la neige, il fait froid. Enfin bon. Prochaine étape, base de Viajoun. Et là on pourra mettre des vêtements secs, se réchauffer, manger un morceau un peu plus chaud. Bon, on va aller sur les crêtes du Mont d'Or là-haut qui sont tout enneigées. On aura tout vu. By the way, là je viens de me faire courser par une vache. Donc devoir être à l'attaque en montée après 130 bornes, ça pique. Hein. Oh. Là on est en train de faire la descente sur Jaune. C'est dur. Ça commence à piquer aux pattes, mais méchamment. Je crois me souvenir que là on est sur le chemin de du trail du Mont d'Or. Peut-être qu'ils nous ont fait monter au Mont Rond. Ils nous ont fait descendre par la piste. Pas un grand intérêt si ce n'est de fracasser les jambes. Mais bon, c'est comme ça. Et là, il y a à nouveau de la boue après la neige. J'ai appris un peu d'enlever les chaussures tout à l'heure. Je vais avoir les pieds dans un état. On est toujours dans la descente de Jaune. On vient encore de jardiner là. Relou. Relou. Pour le coup, autant c'est bien balisé globalement, mais là, ça fait deux fois qu'ils font n'importe quoi. Bon, allez, ça arrive. Et là, je pense que j'ai moins de patience. J'en peux plus. Bon, tout allait bien, on arrive à Jougne. Et là, ils nous ont fait un coup de Trafalgar. Ils nous ont fait suivre le chemin du trail du Mont d'Or. On vient de se retaper un coup de cul énorme. Droit dans le pentu. Red. Vivement que ça se termine. Et c'est pas terminé le Roland Pontu. On vient de me dire que le parcours était raccourci, qu'il resterait que 23 km. Je vais me faire confirmer ça. Si jamais c'est le cas, je vous avoue que c'est pas de refus. Je suis, mais. Arrête, mais. Je viens d'annoncer une bonne nouvelle, apparemment ils ont réduit la fin donc. Ah. Salut Baptiste. C'est sympa d'être venu, merci beaucoup. Je vous présente ma tata, mon cousin, mon petit cousin, Baptiste, et mon tonton, qui est né le même jour que moi. À peu de choses près. Très important. Ça y est, je suis reparti de la base de vie. Écoutez, pour tout vous dire. J'ai passé un super moment. J'avais une bonne partie de ma famille qui était venue. Ça m'a fait super plaisir. Ça faisait bien 2 ans que je ne les avais pas vus. Pas loin de 3. Et oh, quel plaisir de les avoir vus. Donc écoutez, voilà. Là, ils nous ont raccourci le parcours. Il reste 23 bornes. J'ai pas bien compris le D+. Je suis pas sûr que ce soit très funky, mais. Vous dire, je suis content qu'ils aient raccourci, j'en ai ras le bol. Donc ça a été un jeu de massacre, hein, c'est confirmé. Apparemment je serai dans le top 20. En fait, il y a plus que 70 coureurs en course. Tout le monde a abandonné, quasiment. Le premier est arrivé super tard. Je crois qu'il y a seulement 2 ou 3 coureurs qui sont arrivés pour l'instant. En fait, c'était une boucherie, quoi. Condition météo. Voilà. Et là, ils ont décidé de pas nous faire passer par le sujet parce que ils estiment que c'est pas raisonnable. Bon, au-delà du fait qu'il y a de la neige, apparemment, il y a la tempête qui va se lever. Donc voilà. Donc pour le coup, j'ai allégé mon sac au minimum de ce que je pouvais. Et puis, voilà, pas besoin de frontal, pas besoin de. Voilà, j'ai vraiment allégé. J'ai une pensée pour les coureurs qui peut-être vont faire 2 nuits, eux. J'espère que
la deuxième nuit sera plus facile que la première. C'est pas sûr, ils annoncent de la pluie à nouveau à partir de 18h. Mais oh là là, quelle météo! Je sais pas si j'ai déjà fait une course aussi difficile. Non pas par la course en elle-même, hein, mais les conditions météo, c'était juste horrible, quoi. Bien, on doit être à peu près à 22 bornes, un truc comme ça, 16 bornes de l'arrivée. J'ai passé un premier ravitaillement, il me reste 2 à voir. Et là, je viens de voir mon oncle Jean, ça m'a fait chaud au cœur. Il est venu me voir là sur le parcours. Il m'a suivi un peu là sur un deuxième endroit, je ne m'attendais pas à le voir. C'est vraiment super sympa. C'est un peu compliqué là, parce que vu que j'ai beaucoup souffert, je suis très fatigué, j'ai toutes les émotions qui remontent, et avoir toute la famille, en tout cas une bonne partie qui est venue là comme ça, pour m'encourager, je dois dire que ça m'émeut beaucoup. Merci beaucoup hein, la famille, je vous aime. Bon bah ça y est quoi, dernière ligne droite, j'ai passé le dernier ravitaillement, j'en vois plus. J'ai les jambes, mais dans un état. J'ai un autre ultra dans 3 semaines. Je vois pas bien comment je vais faire. Bien, comme on n'est pas très loin d'arriver, c'est l'heure des remerciements. Bon, un grand merci à toute la famille qui est venue me soutenir sur cette fin de parcours. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Un grand merci à Bertrand qui m'a permis de passer cette nuit épique, il n'y a pas d'autre mot. Un grand bravo et un grand merci à tous les bénévoles. Je trouve que vous avez fait une orga qui est assez exceptionnelle. Et puis un big up et un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé tout au long de cette nuit. N'ayant pas d'assistance, sans assistance, bah, ça aurait été un carnage. L'homme à la frontale, l'homme au change, ce monsieur là qui m'a permis de me reposer un peu au chaud quand j'étais en hypothermie et qui voulait me filer ses fringues également, cette dame qui a essayé de trouver plein de solutions aussi pour m'aider au ravitaillement d'avant, et je pense que j'ai pas été très cool avec elle, je m'en excuse. Bon, merci à tous, vraiment vous avez été extra, et bravo à tous ceux qui ont contribué à la tenue de cette première édition de l'Ultra Trek des Montagnes du Jura. C'est ce que je n'avais pas vu, donc ça devrait bien dès l'an prochain. 22h08, on se fera un débrief prochainement. C'est fort possible.